On a ouvert en septembre 2014, donc Ok. on va bientôt approcher les 10 ans, les 10 saisons quand même. École pluridisciplinaire, on a à peu près une grosse quinzaine de disciplines, du moderne, du classique, danse tahitienne, tribal, baratère, zumba, etc. etc. J'en passe, il y en a beaucoup, hip-hop, street burlesque, cabaret. Donc voilà, on ratisse entre guillemets un petit peu large. On est à peu près 7 professeurs en fonction des années. Parce que Ok. des fois, il y a des disciplines qui arrivent, qui repartent en fonction des modes, des disponibilités. Voilà. Mais à peu près, voilà, on est en gros 7. Et puis cette année, du coup, on accueille tout le pôle, on va dire, handi-danse, avec Armelle et Françoise. Françoise qui est déjà à l'école de danse pour tout ce qui est cours de classique. Et du coup, voilà, Armelle qui nous a rejoint pour cette activité-là. J'ai passé un diplôme en danse l'année dernière. C'était dans la continuité de mon parcours de thérapeute, puisque je suis psy et je suis spécialisée dans l'autisme et dans le trauma. Et je cherchais aussi d'autres manières de travailler le côté psychocorporel. Ça m'intéressait déjà beaucoup. J'avais d'autres pratiques avant. Et moi, en tant qu'autiste, j'ai vu aussi tout ce que la danse m'a permis de travailler, de développer comme compétence. Donc j'ai passé ce diplôme en me disant est-ce que ça peut servir à d'autres puisque ça me sert à moi. Et quand j'ai passé le diplôme, effectivement, une discussion autour d'un café et d'un thé un jour à l'école de danse. Moi j'étais complètement émerveillée, excitée. C'était vraiment, je pense, le lendemain ou le Ouais, c'est surlendemain de. ça. Je venais C'est d'avoir le ça. résultat, j'étais hyper fière. J'ai fait un truc génial et tout, c'est super. Ah bah on créerait pas handi danse ici. Et puis c'est parti comme ça. On a un atelier 5 ans, 11 ans à peu près, et l'autre qui est ado-adulte, donc on accueille à partir de 12 ans. Alors pour la tranche intermédiaire 11-13, on a fait en fonction de la taille d'un enfant, d'un ado, etc. Effectivement, pour basculer dans une catégorie plutôt que l'autre, le but étant que tout le monde se sente très à l'aise. Donc grosso modo, on est sur 5, 11 ans et 12 ans adultes. Ces ateliers Surtout pas, Non! surtout On est pas. même à une parité exacte, je crois, Ok, de chouette. mémoire, oui. Aussi bien en enfant qu'en ado-adulte, D'accord. d'ailleurs. Mais vous avez raison de le souligner parce que ça a été une des premières questions, évidemment, hein, sur la danse. Alors, moi, avant, je faisais des ateliers musique, écriture, conte, théâtre. On m'a jamais posé ce genre de questions sur la danse, évidemment. Gros préjugés. On nous a dit oui, mais quand même, c'est plutôt pour les filles. Non, non, bah non, non, pas du tout. Voilà, d'ailleurs. D'ailleurs, Complètement. voilà. Mais même sur les L'exemple cours, même. voilà, même sur les cours traditionnels, on a toujours cet a priori-là, Bien sûr. alors que pas du tout. Il se trouve qu'on a conçu aussi les ateliers handi-danse comme des potentielles passerelles vers de l'inclusion dans des cours traditionnels. Et c'est ce qui va se passer dès l'année prochaine. On a deux élèves, un enfant et une ado, qui vont rejoindre un cours de classique. Ok. Voilà. Alors, ce sera un cours de classique dans lequel moi je serai un peu leur AVS dans le cours, mais ce sont des élèves qui, justement, pendant l'année, ont beaucoup acquis au niveau des compétences cognitives, qui savent s'adapter, qui ont travaillé la flexibilité et qui, en plus, ont une vraie appétence pour la danse. Là, il se trouve le hasard pour la danse classique en particulier, un garçon et une fille. Et en septembre, ils seront aussi dans un cours classique. Ils cumuleront handi danse et cours classique. La fédération handi danse adaptée inclusive, donc qui gère tout ça, hein, le concours national, les formations handi danse parmi lesquelles j'ai choisi le diplôme que j'ai passé l'année dernière, nous a remis un label qualité pour nos ateliers dans ma bulle. Et c'est vrai que ça nous semblait important aussi parce que d'abord c'est valorisant pour le travail qu'on fait, c'est important aussi pour les usagers qui savent, qui mettent les pieds dans un cours où les personnes sont formées au handicap, sont formées à handi danse parce que on peut voir de ci de là fleurir des ateliers, des cours où il y a écrit que c'est pour handicapés, puis les gens n'ont absolument aucune notion. Mais nous, on construit vraiment des séquences sur 1 heure. On a des séquences de progression avec des compétences qui sont motrices, qui sont sensorielles, qui sont cognitives, qui sont émotionnelles. On est vraiment sur une progression sur l'année avec des compétences à travailler. Bonjour, alors je suis Mathilde, donc la maman de Mila. On a connu cet atelier par le biais de Planète Autisme à la base, puisque l'année dernière, Mila participait à un atelier de musicothérapie avec Armel et Pascal Viossa. Elle est vraiment ravie de venir. On a vu beaucoup d'améliorations au niveau de la gestion de son corps, au niveau de l'appréhension de l'espace. Je m'appelle Iqbel, je suis la maman de Martin. En fait, au début, j'étais un peu sceptique parce que c'est un petit garçon et la danse, voilà, je ne savais pas trop si ça allait coller. Après, c'est chouette parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants. Et puis, c'est des enfants qui ont le même handicap, donc
Donc voilà, on va dire qu'ils se comprennent. L'avantage, c'est qu'en fait, il peut courir dans tous les sens, il peut crier, il peut faire tout ce qu'il veut. Chose que c'est pas, qui n'est pas possible dans d'autres activités sportives. Ce que je sais, c'est que Martin, il a hâte de venir à la danse. Après, il pense que c'est tous les samedis, mais bon, du coup, c'est pas tous les samedis, malheureusement.